Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 18 novembre, France 3 a diffusé le dernier épisode de Plus belle la vie. Le feuilleton avait été lancé 18 ans plus tôt, au mois d'août 2004. À la mi-novembre, deux journalistes du service culture et loisirs du Parisien ont raconté dans une série d'articles la création, l'ascension et l'arrêt de ce rendez-vous télé qui a rassemblé des millions de fidèles pendant près de 2 décennies et qui a été pensé au départ comme une riposte à la télé-réalité des chaînes privées. Karine Didier et Emeline Collet nous retracent cette histoire aujourd'hui dans Code Source. Karine Didier, en 2001, le jeudi 26 avril, une nouvelle émission arrive sur M6, Loft Story. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. C'est la première émission française d'enfermement, à savoir de télé-réalité. Elle nous vient des Pays-Bas et l'idée c'est d'enfermer 12 jeunes qui viennent de milieux différents et de les filmer 24 heures sur 24. Ça, c'est bien possible que Loana ait des problèmes de rhume durant ces 70 jours. Attention, elle rentre, c'est le coup d'envoi officiel de Loft Story. On va les encourager. Ça va durer 10 semaines et c'est M6 qui a sauté la première sur ce format, qui va être en fait une petite révolution dans le milieu télévisuel. En octobre 2001, TF1 lance de son côté une télé-réalité musicale, la Star Academy, qui cartonne. Emeline Collet, comment réagit France Télévisions? Alors France Télévisions se pose la question de savoir est-ce qu'il faut aller vers une forme de télé-réalité ou pas. Le groupe public décide que non et Rémy Flimlin, qui est directeur général de France 3 à l'époque, a l'idée d'un feuilleton quotidien qui permettrait d'incarner la vie des gens ordinaires. Il pense à Coronation Street en Angleterre, qui raconte la vie des habitants d'une rue imaginaire qui s'appelle Coronation Street. Il y a un autre exemple en Italie, à Naples, c'est Un posto al sole qui fonctionne sur le même modèle. De gens ordinaires qui vivent une vie finalement banale dans un quartier de Naples. Et donc le but de ce format, c'est de montrer nos vies, c'est ça finalement? Complètement. En fait, les téléspectateurs vivent la même journée que les personnages. Un appel à projets est lancé, il y a une grosse centaine de projets, 5 finalistes, et finalement, à l'automne 2003, l'un d'entre eux, baptisé Mistral gagnant, est retenu. Le tournage de cette série débute à Marseille. Pourquoi Marseille d'un mot? Déjà parce que c'est une ville lumineuse et que pour tourner, ça fait des plages horaires qui sont plus importantes. Et aussi, surtout, parce qu'elle offre une vraie mixité de population et que l'idée, c'est d'incarner la diversité. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 personnages clés de la série qui sont là au départ? Alors dès le départ, il y a le personnage de Myrta Torres, qui est la gérante du Select, l'hôtel de la place du Mistral. Elle est jouée par Sylvie Flepp. Il y a Blanche Marcy, qui est une professeure de français, et Roland Marcy, qui est le totem de la place du Mistral. C'est le gérant du bar de la place, qui est joué par Michel Cordes, et c'est le seul comédien qui a l'accent occitan dans la série. Pour les producteurs de la série, il était hors de question qu'il y ait un accent. C'est trop cliché. Mais quand Michel Cordes fait ses essais, tout le monde le trouve génial. Il fait l'unanimité, il dégage quelque chose de très chaleureux, et il est évident que Roland Marcy, c'est lui. J'ai une botte secrète, figure-toi. Et on la trouvera, la faille dans ton dossier. Où sont tournés les premiers épisodes précisément et dans quelles conditions travaillent les comédiens? Les premiers épisodes sont tournés dans une friche qui s'appelle la Belle de Mai, complètement déserte quand Plus belle la vie s'installe. Il y a un plateau de 1000 m² sur lequel la production a reconstitué la place du Mistral, a imaginé la place du Mistral, puisqu'en fait la place du Mistral n'existe pas, elle est inspirée de la place des 13 coins dans le quartier du Panier à Marseille. À côté, ils ont installé des préfabriqués et ils ont besoin d'aller vite puisqu'ils tournent un épisode par jour, 24 minutes. Il y a une comédienne qui raconte qu'elle a perdu 4 kilos pendant le tournage des premiers épisodes. Le premier épisode de Plus belle la vie est diffusé sur France 3 le lundi 30 août 2004. Karine Didier, décrivez-nous les premiers épisodes. Qu'est-ce que les spectateurs voient à l'image? Alors dans le premier, on est directement dans un quartier de Marseille. Il y a le bar, le Mistral, les vieux immeubles. Et la famille Marcy débarque du Canada pour retrouver le grand-père, à savoir Roland, qui tient le bar du Mistral. Tiens, le bar de ton père est fermé. Il doit nous attendre avec les clés à la maison. Sauf que dans le premier épisode, Roland, il est en train de batifoler avec Myrta dans l'hôtel d'à côté. Roland, t'as vu l'heure? 9h20. Ah ben on s'en fout de l'heure. Mais comment ça on s'en fout? Tes clients t'attendent et les miens aussi. Ah ben qui continue. Il arrive en retard et par ailleurs, il y a d'autres personnages qui nous sont présentés, comme Rachel, qui est une voisine un petit peu plus âgée et qui a peur de se retrouver en maison de retraite. Roland, t'as pas vu Rachel aujourd'hui? Mais tant que tu veux, jamais je ne quitterai mon appartement. Tiens, regarde ce que j'ai en fait, ton avis d'expulsion. Il y a aussi un architecte, Vincent, qui retrouve sa fille Ninon, qu'il essaye de convaincre que vivre à Marseille, finalement, c'est aussi chouette que d'être à Paris. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je voulais qu'on reprenne sur de nouvelles bases. C'est une blague, c'est ça? Il y a une caméra cachée quelque part. Je sais que c'est un peu brutal, mais je supportais plus Paris. Voilà, alors le rythme est assez lent dans le premier. Il n'y a pas vraiment de rebondissement au début, en tout cas. J'ai pas envie de tout gâcher. On n'est pas heureux comme ça. Emeline Collet, les premières audiences ne sont pas bonnes. Non, elles sont pas bonnes. Ce qu'il y avait juste avant faisait 12% de part d'audience. Et là, le premier épisode fait 6%. Comment réagissent la chaîne, France 3 et la production? Alors, ils se remettent au travail tout de suite. Ils font notamment venir des showrunners de l'étranger, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de piloter les séries, de faire en sorte qu'elles trouvent leur public. Il y a un Américain qui vient et qui dit « Il n'y a pas de Dallas sans JR. Est-ce que vous avez un méchant ?» Non, il n'y a pas de méchant dans Plus belle la vie à ce moment-là. Donc, il crée le personnage de Charles Frémont, qui est un homme de pouvoir, manipulateur, qui commandite des rapts, des assassinats, des choses très sombres. Un homme jaloux est capable de tout, même de se transformer en assassin. Je vais tout raconter à la police. Tu es folle ou quoi? Non. On passe de quelque chose de très chronique à un culte du rebondissement finalement, et il y a systématiquement trois intrigues en parallèle qui sont appelées A, B et C. Il y a une intrigue sociétale, une intrigue familiale et une intrigue polar qui court sur plusieurs semaines pour garder le téléspectateur en haleine. Et de nouveaux personnages apparaissent à ce moment-là. C'est le cas notamment de Thomas Marcy, qui est un personnage emblématique de la série. C'est le fils caché de Roland. Et il se trouve que Thomas Marcy est un personnage homosexuel, mais finalement, c'est pas du tout là-dessus que la série met l'accent. Thomas Marcy, c'est un jeune homme un peu naïf, un peu tendre, qui cherche son père. Finalement, en fait, il vient dans l'espoir de rencontrer son père, donc Roland. Je crois que je suis ton père. Vous êtes sûr? Non, mais je le sens. Avec qui il va travailler d'ailleurs au bar du Mistral. Et en fait, la grande histoire de la vie de Thomas Marcy, c'est la famille. Son rêve, c'est de fonder une famille. Et à partir de là, dans les semaines et les mois qui suivent, ça marche. Les audiences frémissent en fait assez rapidement. Ils ne descendent pas en dessous de 6%. Ils montent très doucement. Mi-octobre, il y a un pic à 2,3 millions de téléspectateurs. C'est 9,3% de part d'audience. C'est beaucoup mieux. Début 2005, ils sont à 3,9 millions de téléspectateurs. Donc on a franchi les 15% de part d'audience. Et Plus belle la vie franchit la barre des 5 millions de téléspectateurs en 2006. Donc là, c'est carrément un carton. Là, ça y est, c'est le succès est au rendez-vous, en fait. Ils ont réussi à fidéliser les téléspectateurs, le feuilleton a pris. La vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime, voilà. Mais tu sais bien que si... Je crois même que c'est la première fois que j'aime quelqu'un comme ça. La série colle à l'actualité, Karine Didier. La série colle aux sujets sociétaux déjà, par exemple les relations entre les profs et les élèves, plus tard il y aura la GPA, la gestation pour autrui, et aussi à l'actualité, donc par exemple en 2007, au moment de l'élection présidentielle et de la campagne menée par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, la série a mis en boîte deux versions, selon évidemment les résultats et qui serait élu. Dans l'une des versions, celle qui a été diffusée, la patronne du Select, plutôt catho-conservatrice, se félicite de la victoire de Nicolas Sarkozy. Si c'est pour laisser la moitié de la population sur le carreau, comme aux États-Unis. Enfin, c'est pas mieux de laisser une France à genoux avec une politique sociale aberrante? Au printemps 2013, 2 semaines avant l'adoption du mariage pour tous, le 17 mai, un mariage homosexuel est tourné dans la série Plus belle la vie. C'est donc le mariage de Thomas Marcy et de Gabriel Riva, qui sont amoureux, on les a vus auparavant. Et là, ça y est, ils passent à la mairie, ils prononcent leurs vœux. Monsieur Gabriel Riva, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Thomas Marcy? Oui. Et c'est une petite révolution puisque voilà, c'est la première fois qu'une série française montre des images d'un mariage homosexuel. Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et mari. Et en fait, les scénaristes ont dû auparavant ruser pour faire traîner l'intrigue tant que la loi n'était pas promulguée avant la diffusion qui aura lieu, elle, en juillet. Karine Didier, à ce moment-là, où en est l'audience de Plus belle la vie? Elle est déjà bonne. En 2012, les épisodes quotidiens battent des records. Il y en a certains qui atteignent des pics à 6,8 millions de téléspectateurs. En 2013, la tendance est toujours bonne. En moyenne, la quotidienne fait 5 millions et plus de téléspectateurs. Donc là, on est vraiment dans le plus fort de la série, en fait. Enfin, elle atteint des records. Elle rattrape un petit peu le JT de 20h de TF1, ce qui est quand même un petit miracle à la télé. Qu'est-ce que les fans aiment retrouver chaque soir dans Plus belle la vie? Des personnages qui leur ressemblent finalement. Parce que là, on a des commerçants, on a des profs, on a des flics, on a des familles. Ils vivent des hauts, des bas, des joies, des malheurs, des histoires d'amour, des drames. Ce sont des personnages qui finalement vivent le quotidien de tout le monde. Parfois, la série fait scandale, comme en mars 2014, quand, dans un épisode, le personnage Myrta Torres découvre comment rouler un joint de cannabis, ou encore l'année suivante, en 2015, quand 3 personnages se lancent dans un plan à 3. Une partie des téléspectateurs sont choqués par ces séquences et saisissent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Ils expliquent qu'en fait, eux, ils ne regardent pas Plus belle la vie pour apprendre à rouler un joint, que c'est un programme qu'ils regardent en famille. Alors maintenant, tu commences à rouler. Oui. Délicatement, mais tu sais, ta feuille est solide. Voilà, ta feuille est solide. Anne Holmes, la directrice de la fiction de France Télévisions, répond qu'on ne peut pas à la fois reprocher à France 3 d'être ringarde et de diffuser des séquences dans l'air du temps. Emeline Collet, les années passent et parfois il faut changer de comédien pour incarner le même personnage. Il y a certains comédiens qui partent pour tourner d'autres fictions, donc dans Plus belle la vie, il leur faut un remplaçant. C'est le cas du commandant Nebou, qui est joué successivement par Franck Sémonin, puis par Jérôme Bertin. Il y a d'autres comédiens qui sont remerciés. Et par exemple, le personnage de Thérèse Marcy est joué successivement par 3 comédiennes. Toujours en 2015, l'entreprise qui produit Plus belle la vie, Karine Didier, est rachetée par TF1. La société qui produit Plus belle la vie s'appelle Tel France, elle-même est la filiale d'un groupe qui s'appelle Newen, et TF1 rachète Newen. Et là, c'est le drame à France Télé. Delphine Ernotte, qui vient d'être nommée présidente du groupe public Voix Rouge, et elle dit on ne peut pas continuer à faire des développements de projets avec Newen, puisque maintenant ça appartient à TF1, et il n'est pas question que le service public, qui vit de la redevance, donc des sous des Français, participe au succès commercial d'un groupe privé. Finalement, Delphine Ernotte ne met pas sa menace à exécution. France Télévisions va bien acheter Plus belle la vie à Newen et donc indirectement à TF1. Mais à l'avenir, France Télé va développer son propre pôle de production de fiction. Karine Didier, dans les années qui suivent, de nouvelles séries viennent concurrencer Plus belle la vie. TF1 prend les devants en lançant Demain nous appartient en 2017. C'est un feuilleton donc quotidien à 19h20 qui est porté par la comédienne Ingrid Chauvin, qui est très populaire à ce moment-là. Et l'année d'après, en 2018, France 2, donc à son tour, lance son feuilleton quotidien qui s'appelle Un si grand soleil, qui va beaucoup ébranler Plus belle la vie. Pourquoi? Parce qu'Un si grand soleil est programmé à 20h40, qui est un horaire très stratégique juste après le JT. Et du coup, France Télévisions décide d'avancer Plus belle la vie et de le diffuser à 20h20, en plein milieu de la grand-messe des grands JT de TF1 et de France 2. À partir de là, Emeline Collet, l'avenir de Plus belle la vie commence à être menacé? On s'inquiète, d'autant que ceux qui ont fait les succès de Plus belle la vie, en fait le producteur historique Hubert Besson est désormais aux manettes de Demain nous appartient, et Olivier Sulzinger qui a réécrit, qui a boosté l'écriture du feuilleton, lui travaille maintenant sur Un si grand soleil. Les audiences commencent à baisser et la production réagit en accélérant le rythme des intrigues. Jusqu'alors, les intrigues duraient, s'étalaient sur 6 semaines. Et en fait, la concurrence des autres feuilletons a montré que eux, ils avaient des intrigues beaucoup plus courtes. Du coup, Plus belle la vie va passer ses intrigues sur 10 jours, 2 semaines. Pour accélérer le rythme, ils vont aussi réécrire beaucoup, inventer des rebondissements, au point qu'à un moment, le feuilleton perd un peu de son ADN et que ça devient parfois presque invraisemblable. Par exemple, quand la conservatrice Myrta Torres vit une histoire d'amour forcément clandestine avec un curé, le père Luc. J'ai peur qu'on soit allés trop loin tous les deux. J'ai peur des conséquences. Pas pour moi. Hein. Donc tu me préférerais seul et malheureux. Tout ça ne produit pas l'effet espéré. À l'automne 2020, les audiences de Plus belle la vie sont au plus bas. Oui, vous vous souvenez qu'on était à 6 millions de téléspectateurs il y a quelques années. Là, à l'automne 2020, on est à un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. En 2022, le jeudi 17 février, le journal Le Figaro publie un article à propos de Plus belle la vie et c'est un choc pour les fans et pour celles et ceux qui fabriquent au quotidien la série. L'article du Figaro annonce l'arrêt prochain du feuilleton. Au début, Emeline Collet, certains comédiens n'y croient pas. Je pense à Laurent Kérusoré, qui est donc l'interprète de Thomas Marcy. Quand il a cette information, il publie sur ses réseaux sociaux « À chaque renégociation de contrat, on prédit notre mort, n'y croyez pas ». Mais d'autres prennent l'info au sérieux. Par exemple, Jérôme Bertin, qui campe le flic Nebou, lui aussi, il a entendu des rumeurs, c'est récurrent. Sauf que cette fois, ça vient du Figaro. Et le Figaro est réputé pour être un quotidien sérieux. Donc il se dit, là, ça sent vraiment le roussi, là. Plus belle la vie est dans le flou sur son avenir pendant plusieurs mois et le 5 mai, plusieurs dirigeants de France Télévisions descendent de Paris à Marseille pour confirmer l'arrêt de la série. On me dit que la sécurité du plateau a été renforcée. On est passé de 1 vigile qui était là depuis le début à 2, voire 3. Est-ce que France Télé s'attendait à une réaction épidermique des équipes de Plus belle la vie ? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'accueil n'est pas très très chaleureux. Les dirigeants de France Télé s'expriment et disent « bah voilà, ça y est, c'est fini, ils sifflent la fin du match ». Tout le monde est abasourdi, mais ce qui est dingue, c'est qu'une heure après, ça c'est Anne Holmes, la directrice de la fiction, qui nous l'a raconté, puisqu'elle était descendue à Marseille. Les tournages ont repris comme si de rien n'était, et elle m'a dit avoir été épatée par le professionnalisme des équipes, qui en fait continuaient de tourner malgré tout, en donnant tout ce qu'ils pouvaient et en étant super pro. Et puis je vous signale qu'une page va se tourner. Vous reconnaissez France 3, ah oui, qui décide d'arrêter la série Plus belle la vie. Quand la fin de la série est officialisée, que disent les fans de Plus belle la vie sur les réseaux sociaux par exemple ? Ils sont catastrophés. On peut lire « J'ai l'impression de dire adieu à ma famille »,« C'était mon rituel du soir »,« J'ai du mal à l'accepter ». Il y en a qui demandent même aux fans d'écrire à Newen pour demander est-ce que le feuilleton continue ailleurs, sous une autre forme, mais qu'en tout cas, qu'il ne soit pas complètement abandonné. Non, on ne veut pas la fin de Plus belle la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Ces messages, Jérôme Bertin en reçoit des centaines depuis quelques jours. L'amertume de son public, le comédien la partage. Bien sûr que je suis triste. Dans les semaines et les mois qui suivent, les comédiens, les scénaristes, les techniciens continuent à travailler en se sachant condamnés. Oui, ils continuent de travailler. Les dernières séquences d'un tel ou d'un tel s'enchaînent aussi vite que les pots de départ. Il y a beaucoup d'émotions évidemment, notamment au moment du tournage de la mort de Roland Marcy, qui est donc le patron du bar du Mistral, où il y a beaucoup de larmes. Papa ? Papa ! Le mot d'ordre, c'est quand même, on fait comme d'habitude, en espérant qu'il y aura peut-être un acquéreur pour reprendre et continuer Plus belle la vie. Emeline Collet, le jeudi 29 septembre, la séquence finale de Plus belle la vie est tournée à Marseille et l'émotion est forte. En fait, les comédiens font durer le plaisir. Ils retardent le moment où on va vraiment commencer à tourner. Il y en a un qui a un souci de micro, il y en a un autre qui a une quinte de toux. Et puis, pendant que cette dernière séquence est tournée, il y a la place du Mistral, donc le décor principal, qui se remplit petit à petit de tous les comédiens, de tous les techniciens, de tous les scénaristes, de tous les gens qui ont travaillé sur la série pendant ces 18 années. Et au moment du clap final, c'est un clap de fin de série, c'est quelque chose qui est historique. L'émotion les submerge tous. Laurent Kérusoré, le comédien qui incarne Thomas Marcy, fait un discours bouleversant. En fait, il est en larmes, il remercie tout le monde. Il rappelle que lui, il est arrivé dans la série, il avait un contrat de 6 semaines et que finalement, 18 ans plus tard, il est là. On a changé la vie de millions de personnes. Et ça, je pense qu'on peut en être très, très fiers. Bravo à tous. Merci. Après ce clap de fin, la soirée se poursuit. Ils font la fête tous ensemble pour vraiment marquer ce dernier jour de tournage. 18 ans de Plus belle la vie, pour beaucoup de comédiens, de techniciens, ça a vraiment changé leur vie ? Il y en a même certains qui sont installés à Marseille pour y vivre au quotidien et pour pouvoir tourner tous les jours. Ils disent vraiment c'était une famille, Plus belle la vie. Donc évidemment, au bout de 18 ans, quand ça s'arrête, c'est quand même un choc. Certains membres de l'équipe comptent emporter avec eux un souvenir des objets qui étaient sur le plateau de Plus belle la vie. Dès la dernière séquence terminée, les décors commencent à être démontés et la production va organiser une braderie en interne pour les équipes où chacun pourra, s'il le souhaite, récupérer un accessoire, un élément d'un costume, voire un élément du décor. dans votre série de 5 articles sur Plus belle la vie, parue la semaine du 14 au 18 novembre, vous racontez à la fin qu'une partie de l'équipe veut monter une coopérative, une SCOP, pour continuer à produire le feuilleton. Ça semble pour l'instant très incertain, mais les fans sont attachés à Plus belle la vie et la société Newen dit officiellement ne rien exclure. Karine Didier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Plus belle la vie va forcément renaître un jour, d'une façon ou d'une autre? Oui, je suis d'autant plus d'accord que la mode à la télé en ce moment, c'est de faire revivre des vieilles marques. Par exemple, la Star Academy, vous savez, ce concours de chant qui avait disparu de TF1 depuis 15 ans et qui vient de revenir avec succès. Par ailleurs, la Une aussi va relancer une soirée spéciale Un gars, une fille, qui était le feuilleton quotidien avec Chouchou et Loulou sur la 2. M6, elle, prépare un retour en 2 soirées de Nouvelle Star, autre télécrochet qui avait eu beaucoup de succès à son époque. Donc voilà, on peut se dire que, et pourquoi pas dans quelques années, assister au retour, le temps d'une soirée, de Plus belle la vie et de ses intrigues pour un prime time événementiel. Merci à Emeline Collet et Karine Didier. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, @codesource, ou nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chaffanjon.